أقيمت بمساحة المنظر الجميل بمدينة سطيف دورة تكوينية يومي 21 و22 من شهر فيفري 2018. الدورة كانت من تأطير البروفيسور بنزميت مخلوف والدكتور محجون عبد الوهاب المتخصصين في طب الأذن والأنف والحنجرة بمساهمة مركز السمع العالمي. Cette formation n'est pas la première. D'autres m'ont précédé, mes maîtres ont fait des formations. On essaie d'être la continuité, mais à CITIF, on essaie d'être les leaders en la matière. On a déjà fait une formation il y a 2 ans avec mon maître, professeur Utenbrink, et professeur Christian Dubreuil, qui avait un écho très très large en Algérie. Et les participants étaient très très contents et ils nous demandaient souvent de remettre ça. Et on a essayé avec mon ami professeur Benzamit, avec toute l'équipe qui m'ont aidé, de remettre ça avec le deuxième autoforum, et qui était purement algérien. J'ai répondu favorable à l'invitation de mes chers maîtres, le professeur Benzamit et le docteur Mahgoun ici présent, qui vous a bien expliqué en quoi consiste cette formation. C'est une formation scientifique qui a été pensée par ces deux otologistes de renom pour améliorer la formation des jeunes médecins, notamment les résidents et les jeunes assistants qui sont comme moi en service civil. الهدف من هذه الدورة هو نقل بعض التقنيات الحديثة في جراحة الأذن والتي يستخدمها أكبر الأطباء خارج الوطن وبتكلفة أقل. حضر هذا اليوم الدراسي أطباء من كل أنحاء الوطن وحتى بعض البلدان الشقيقة. أنا سعيد جدا بهذا المؤتمر الرائع جدا في هذا المستشفى في مدينة سطيف. احنا قدمنا من هناك مسافة طويلة، تكبدنا مشاق السفر، ولكن كانت استفادة جد رائعة جدا. تنظيم كان ممتاز جدا، فوق المعتاد. احنا حضرنا كثير من المؤتمرات في دول العالم كثيرة. صراحة استفدنا من خبرات الدكتور محقون ودكتور بنزميت، كانت استفادة ممتازة جدا، طرق جديدة في العمليات الجراحية، خبرات ممتازة جدا، تبادلنا الآراء، كان في هناك نقاشات كثيرة. وأشكر جزيل الشكر شعب الجزائر ودولة الجزائر ومدينة سطيف على حسن الاستضافة لنا، وأتمنى أن نلتقي في مؤتمرات أخرى. ولنقل هذه التقنيات الجراحية قام البروفيسور بنزميت بإجراء عملية جراحية لترميم طبلة الأذن لمريضة تعاني من نقص السمع تابعها الحضور بتقنية البث المباشر. Donc on a fait la chirurgie en live comme vous l'avez vu et le soir on fait des communications, des présentations pour les participants. Cette fois-ci l'avantage c'est qu'on a fait le cours en anglais pour une simple et unique raison parce que nous voulons changer un petit peu sortir des traditionnels le français et surtout parce que nous avons des invités très chers qui nous viennent de la Libye. C'est un cours où on essaie de transmettre le savoir. C'est la seule richesse qui va augmenter en la partageant. Donc, l'amalia li qomt biha hiya jarahat tarmim risha tablat al-udhun, walakin fih naqs fi sam' lada al-marida. Hawlna an nshouf al-udhaymat al-udhun idha kan fih ittisal aw ma fih ittisal. Fih ittisal ma amna prosthesis, prothèse de l'oreille moyenne, mais salahna risha tablat al-udhun. Et on a fait ça pour le malade, c'est bien, mais pour les participants, c'était en live et tout le monde a vu la chirurgie. Donc je suis là présente à CETIF pour une formation en otologie, et plus précisément chirurgie otologique. Et c'est la première fois que je viens à STEF. Oui, j'ai déjà participé à d'autres formations sur le territoire national, mais c'est la première fois que je participe à une formation à CETIF. Oui, c'est une tympanoplastie, c'est une greffe du tympan. Ça apporte toujours un plus d'assister à de telles formations et ça nous aide à nous perfectionner encore plus dans ce domaine. Voilà. Deux journées là, ça a été des journées très enrichissantes auxquelles on a pu assister à des chirurgies en live. Concernant la chirurgie otologique et ceci pour nous en tant que résidents en formation bien sûr a été très bénéfique pour nous et ça nous a permis de voir aussi différentes techniques opératoires avec l'expérience. وتبقى مدينة سطيف رائدة بمثل هذه المبادرات ومتميزة بشباب يواكب آخر ما توصل إليه الطب في العالم.